Ils se retrouvent aujourd'hui pour un match incroyable. Le match tant attendu pour le titre du mytho d'Internet. Celui qui a arnaqué le plus de monde, celui qui a retourné les cerveaux, celui qui s'est vraiment foutu de la gueule des gens. Aujourd'hui, Usama Hammar remet son titre en jeu avec Alexi Chen, tout nouveau arrivé à Raw. Il est très nerveux, très nerveux. Il n'est pas là pour rigoler, on le sait très bien. Arrivé récemment, le coach expert en coaching, en séduction, en arnaque, en foutage de gueule, et bien sûr, excusez-moi, hein, j'en perds mes mots, en mitonnerie. Aujourd'hui, on le retrouve, hein, il est prêt à en découdre. Il veut le titre du plus gros mytho. Il est prêt à tout pour obtenir ce titre. Aujourd'hui, il vient directement de Dubaï, spécialement pour ce match. Un match vraiment attendu des supporters, hein, même si les supporters ne l'apprécient vraiment pas. On sent que dans les tribunes, on aime beaucoup plus pour Usama. Je pense que c'est surtout le gabarit d'Usama qui plaît, et c'est le côté aussi rigolo d'Usama. Il montre qu'il passe du basket au catch, hein, quand même. Hein, ce n'est pas rien. Hein. On est sûr de rien. On ne sait même pas si c'est réellement un match qui va se passer aujourd'hui ou est-ce que ça va être des mots doux ou des taquineries. On ne sait pas. On ne sait jamais ce qui va se passer avec eux. Peut-être que le match va être annulé. Peut-être qu'on va vous proposer une formation à la fin de cette rencontre. On ne sait pas. Donc voilà. Et voilà Usama avec sa ceinture. Ce n'est pas une ceinture McDonald's, c'est une ceinture de la WWE. Arrow! Universal Champion, you know. Regardez-moi, il est très fier. Très fier de montrer son gabarit, mais également sa ceinture. Les mythos ne se cachent pas. Les mythos montrent tout, même ce qui n'existe pas et surtout ce qui n'existe pas. Ça, c'est un talent propre à eux. Et aujourd'hui, on va voir la roublardise au rendez-vous. Va-t-il y avoir un combat ou des formations à vous proposer pour bien évidemment ne gagner rien? On verra ça tout de suite. Et Alexi Chen qui monte tout de suite sur le ring et qui prend des coudres avec ce coup dans le dos. On va pas affronter de front, on est évident, hein. Ça c'est bien connu des mythos. Oh. Le tombé de 2000 euros. 2000, 3000 euros la formation, 4000 euros la formation. Usama qui n'est pas à son meilleur rendez-vous. Je ne sais pas ce que Alex a fait. Il faut savoir qu'il n'y a aucune règle, hein, pendant ce match. Bien évidemment, on connaît, hein, les manipulations. Il n'y a pas de règle, hein, lors de manipulation. L'objectif, c'est d'obtenir la ceinture ou le client, hein, et de vendre un coaching qui ne vous servira à rien. Alexi Chen qui est vraiment en train de donner un conseil, un coaching à Usama Hammar. Comment séduire en ayant un surpoids digne des plus grands surpoids. Je pense que Usama Hammar n'a pas besoin de ce coaching. Hein. Allez, c'est l'heure du finish déjà. Je ne sais pas s'il va se relever, on va essayer de tomber déjà. Le match est très rapide, le match est faux. Il y a un petit air d'Omar Sy, hein, quand même, hein, pour Alexi Chen, hein, qui est vraiment solide. Hein, solide, le basketteur de presque 2 mètres. Qui est vraiment parti en couille. Hein, il a regardé le film avec Will Smith et qui s'est dit pourquoi pas. C'est vraiment parti dans un grand n'importe quoi. Hein, c'est comme si... C'est comme si moi je regardais Iron Man et que je me prenais pour Tony Stark, hein, c'est exactement. D'ailleurs, je devrais peut-être le faire, hein, je sais pas, hein, peut-être que ça changerait des choses dans ma vie, je sais pas ce que vous en pensez. Ça m'a marqué, hein, chercher un escalier pour monter plus haut. Oula.
On a essayé de tricher, hein, c'est normal, ça fait partie du jeu. Thomas qui est toujours prêt, hein, à en découdre. Le finish peut-être, le finish. Un coup de séduction. Un coup de séduction, deux coups de séduction. Thomas Amar va-t-il trouver quelqu'un? Ouf. Oh, le contre. Elle est vraiment solide. Hein. Ah, je pense que c'est la fin des haricots. Là. Là, on va pouvoir assister sûrement à la victoire. Et 1, et 2, et 9. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Une deuxième tentative. Ah, il a essayé de le soulever, ça va être un peu dur. Hein. Ça va être un peu compliqué. C'est une chaîne qui est déchaînée. Hein. Qui veut le titre, hein, le titre du mytho d'Internet. Il va peut-être perdre. Ah non, il est encore solide sur ses bottes. Pourquoi je prends l'accent du sud? Il n'y a rien à comprendre. Le coup de coaching. Coup de ceinture. Des coups dans le vent, hein. On sait pas si c'est un bug ou si c'est une stratégie de la part de Thomas Amar. C'est assez étrange. Thomas qui revient vraiment dans le match. Ouh là là, le Tchétchène qui ne touche plus une quille. On se dirige peut-être vers un retournement de situation avec Thomas qui va peut-être garder son titre. Ça va être compliqué. Quel match d'anthologie. Qui a les meilleures formations? Ouh, une formation à 3500, ça fait mal dans les dents, ça c'est une certitude. Un petit bug de formation. Ah, prise de soumission. Oh, Sama qui est quand même dur à prendre. Nice escape. Sama qui va peut-être chercher une formation. Cache-pied dans les escaliers. Et le coup de basket. Allez, c'est Chen qui se réveille vraiment. Hein. Là pour le coup. Le finish. Et bim! Ça va prendre la échelle, hein. Oh, c'est à moi qui ne se réveille plus. Oh, on va revenir sur le ring pendant qu'il le mène. Histoire de... qui se défend, hein. From the apron,
target acquired. Just a matter of moments. C'est le coup de la baguette magique. Harry Potter sort de ce corps. Quel esquive. Par contre, il va falloir revenir sur le ring si on veut finir ce match. Hein. Il va vraiment falloir revenir un moment ou un autre. Le lancer du mytho. Peut-être un deuxième lancer. Bon, il faut bouger là, il y a l'escalier du futur, l'escalier. Oh là là. Monter les marches de l'ascension. Allez, temps de finir ce match. This isn't the smartest thing to do, antagonizing your opponent instead of attacking him. Up and down the hard way. C'est douloureux, c'est très très douloureux de prendre un coup comme celui-ci. Je ne sais pas pourquoi Oussama veut ramener autant d'escaliers sur ce... Si ça doit être une passion ou il doit y avoir quelque chose, une formation disponible. Peut-être le tomber à la fin du match. Et là, Oussama ne lâchera pas son titre. J'en ai un petit rhume. Allez, des coups de 50. Les chaussures de 50, hein, ça doit faire de belles marques, ça. On a failli passer à travers la troisième corde. Moi j'adore ce petit col roulé, hein. Franchement je le trouve vraiment pas mal. La victoire du col roulé, bien plus qu'une passion. Oh là, ce match ne finira donc jamais. Hein. Ils sont arrangés pour ne pas finir le match. Ça doit réveiller du monde. Comment séduire avec un escalier. Voilà la prochaine formation disponible en ligne sur toutes les plateformes de streaming. Bon, il serait temps de finir ce match quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouf. Et oui! Nous avons un nouveau vainqueur aujourd'hui. Un nouveau vainqueur. Regardez-le-moi. Un nouveau champion. Le plus gros mytho, tout droit venu de Dubaï. Qui est là avec sa nouvelle ceinture et surtout son col roulé. Le grand col roulé tant attendu. Ce col roulé qui a plus de séduction que cette ceinture.